Johannes. La passe dans le dos. Et le panier à 3 points. Panier qui n'appartient qu'à elle. Je pense qu'on est bien, on se sent bien, mais on est surtout concentré. C'est pas parce qu'on a 39 points d'avance qu'on est, on va dire, confortable. En tout cas, moi, je réfléchis pas trop au match pour le moment. J'essaie de rester dans mon truc. C'est assez spécial, je pense, de faire partie de ça, de remporter. Peut-être un premier titre européen, ça serait vraiment top pour l'équipe, mais aussi pour le club, et on en a toutes conscience. Je pense qu'on a appris aussi de nos erreurs de cette saison, au début de saison par exemple, où des fois il y avait des matchs où on se relâchait un peu dès qu'on avait 10-15 points d'écart. Et là, on a vraiment voulu enfoncer le clou, on va dire. On voulait juste gagner d'un maximum de points et ça a été plus 39. C'est cool qu'on ait pu prendre ça en fait, parce qu'on savait que, et on sait qu'ici ça va être un énorme match avec une énorme ambiance. Je m'attends à ce qu'on nous jette des trucs sur le terrain, non je sais pas. Je m'attends un peu à tout vraiment. Je pense juste que ça va être un super événement de participer à ça, d'y jouer, d'être sur le terrain. Ça va être assez incroyable parce que nous, surtout le basket féminin, on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir ce genre d'ambiance. Le club a fait un énorme boulot pour ramener autant de personnes. Ça a été vraiment une soirée spéciale pour nous, pour le club. C'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué à Mado avec cette petite salle de créer une atmosphère comme ça. Mais là, on a vraiment vécu une belle soirée et je pense qu'on s'en souviendra. Si on a la possibilité de jouer l'Euroleague enfin l'année prochaine, ça sera, je pense, que du bonus d'avoir déjà vécu des choses ensemble, d'avoir remporté des titres ensemble. C'est cool qu'on puisse garder le gros noyau de l'équipe. Après, j'espère que on pourra jouer cette année-là l'Euroleague. On se sent vraiment bien sur le terrain et en dehors. On est quand même vachement libérés. Ça fait plaisir de reprendre plaisir sur un terrain, quoi. Je suis super contente. C'est vrai que Marine, c'est une personne que tout le monde apprécie. Elle a vraiment grandi et mûri, je pense aussi. Et ça va apporter un truc en plus à l'équipe. Donc c'est top. Depuis cet été, c'est vrai que d'avoir joué avec New York pour Sandy, ça a été quand même une très bonne chose pour moi, je pense. J'ai réussi à grandir, à travailler avec une autre mentalité. J'essaie juste de prendre du plaisir sur le terrain, de rester concentré en même temps, de faire les bons choix. Et c'est vrai qu'avant, j'étais encore peut-être un peu jeune et que c'était compliqué de faire tout ça en même temps. Donc non, je me sens juste bien. J'espère que je peux encore progresser, bien sûr. Et je pense qu'on peut toujours progresser, mais c'est ça le plus dur, au fil des années, c'est de progresser, de continuer à travailler dur. Donc non, je suis juste contente de ce qui se passe en ce moment avec l'équipe et le club, donc pourvu que ça dure.